Bien-aimés frères et sœurs, amoureux de Numérica TV, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez et nous vous disons dans vos maisons, partout où vous nous suivez, shalom, shalom, shalom. Nous sommes là aujourd'hui dans cet amour de Dieu qui nous fait vivre et qui nous fait respirer. Nous sommes là pour comprendre chaque seconde, chaque temps, chaque instant, combien Dieu nous aime. C'est très important de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime, de savoir que ta réussite est attachée à l'amour que quelqu'un te donne, de savoir que ta percée, ta guérison est attachée à un Créateur qui ne cesse de te témoigner son amour. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Se lever et aller dans ses activités, ce n'est pas une habitude. Nous pouvons faire de programmes, mais c'est l'Éternel qui en décide. Le cœur de l'homme a beaucoup de desseins, mais ne sont que la volonté de l'Éternel qui s'accomplissent. Si tu es en vie, c'est parce que l'Éternel l'a permis. Si tu peux respirer, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a ordonné cela. Tout ce que tu peux faire, pense à rendre gloire à Dieu, à lui rendre ses louanges et lui dire « Seigneur, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'amour, à toi la gloire, à toi toute chose. » Nous parlons de l'amour de Dieu, sans cesse l'amour de Dieu et encore l'amour de Dieu, pour toujours l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, nous comprenons cette parole, il a tant aimé le monde. Ça veut dire si tu vis, c'est parce que Dieu t'aime. Je ne suis pas en train de dire que tes courages, tes forces, ton travail ne vaut rien. Non, ça vaut quelque chose. Mais sache au moins une chose, si tu es là, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu respires, c'est parce que Dieu t'aime. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu en retour de cet amour que Dieu ne cesse de nous accorder? Car Dieu est amour. Son amour surpasse toute chose, son amour dépasse tout. Aujourd'hui, nous avons commencé par une question. Et là, c'est la série de questions qui commence. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu qui t'aime? Qu'est-ce que tu peux faire à ce Dieu qui t'aime? Qu'est-ce que tu peux offrir à ce Dieu qui t'aime? Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse encore du bien. Nous sommes là ensemble dans la famille Instant Mungunjo Chefu. Que Dieu bénisse les techniciens et tous ceux qui sont derrière la baie vitrée, la caméra, et qui sont derrière les machines pour faire en sorte que cette émission puisse vous parvenir et la direction de programme, qu'elle soit bénie et que Dieu bénisse aussi notre pays. À très bientôt, nous sommes ensemble. Shalom, car Dieu est amour.